prière. C'est le Seigneur qui nous délivre. C'est le Seigneur qui nous donne tout. Aujourd'hui, la forêt est libérée. La forêt se lève. La forêt se réveille avec la République de Guinée. La forêt se tend au milieu. La forêt se trouve dans le plein cœur de la Guinée. En même temps, aujourd'hui, nous sommes forestiers, nous sommes malinqués, nous sommes de la moyenne Guinée, nous sommes de la basse Guinée. La Guinée est grande et indivisible. On le sait. On dit toujours la Guinée est une famille. La Guinée est une famille. Et c'est ce que nous prenons aujourd'hui. Partout où nous nous présentons, nous prenons la paix et nous disons à tout le monde que la Guinée est une famille. On n'a pas de l'ethnocentrisme. À bas l'ethnocentrisme. Nous nous sommes contre celui qui veut prendre le pouvoir pour haïr les autres. Nous ne le pas. Aujourd'hui, nous sommes entrés, ce n'est pas des hommes politiques, nous sommes en train de traiter la forêt. Nous ne sommes pas des policiers, nous sommes là pour traiter la forêt. Voilà l'objectif. Celui est montré au peuple et à la population malienne et à la communauté que nous sommes de la Guinée et en Guinée, il y a une partie où on trouve de la forêt. Et cette forêt aujourd'hui qui est le poumon de la respiration mondiale et de la République de Guinée. Alors, nous sommes à la charge de protéger cette forêt. Nous avons plusieurs actions qui passent. Nous avons plusieurs actions en cours avec les jeunes. Ils iront en Guinée et précisément en Daraba, où ils vont visiter des sites où se trouve la forêt. Où ils iront en Haute-Guinée où il y a de la forêt. Ils iront en République, en Guinée forestière aussi, où on trouve de la forêt. Arriver à ces mots, c'est pour vous souhaiter la bienvenue et vous donner l'intention de cette cérémonie. Voilà un peu l'objectif qui nous réunit ce soir. Cette soirée est dénommée la nuit de la forêt. Loin de la politique, loin de l'ethnie, loin de communautarisme, non. Nous voulons cette unité. Nous sommes tous Guinéens, la Guinée est une famille. Moi je m'appelle Léopold Théa, en Haute-Guinée ça correspond à Shérif et en Basse-Guinée ça correspond à Sila, en Moyenne-Guinée ça correspond à Diallo. Alors aujourd'hui nous sommes contents qu'il y a un seul parmi nous, je suis vraiment content. Alors nous sommes tous de la même famille. Alors ainsi sur ces mots, je donne la parole aux ordinateurs. Et ils vont continuer la suite de la cérémonie. Voilà. Je vous remercie. Ok. Maintenant, je vous remercie. On va donner la parole à même notre papa qui est là. Le papa, tu vas venir dans le bus, puisque tout le monde il te voit. Libérez le bus. Libérez le bus. Papa va venir à côté de moi. Mon papa, il va à côté de moi. Papa. Ça va bien, merci. Papa, ça va? Bien, bien. Ok, maintenant on va te donner la parole. Puisque tu vas expliquer avec tes enfants, avec la fille qui sont là, la femme qui sont, qu'est-ce que tu vas expliquer, papa? Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Moi c'est Alpha Diallo. Je suis le général de l'IRTG, du grand parti de l'IRTG. En même temps, je suis le vice-président du conseil des Guinéens au même. Comment formateur? C'est un privilège pour nous d'être là parmi vous aujourd'hui pour célébrer la fête de la vie sacrée. Et je remercie les organisateurs qui saluent tous qui contribuent au rayonnement de la culture guinéenne en général et celle de la forêt en particulier. Merci.
remercier les organisateurs. Et vous dire un grand merci de la part de mes concitoyens qui sont là et les collègues qui m'ont accompagné à célébrer ensemble cette chose. Merci papa. Papa, maintenant tout le monde a entendu, tout le monde a compris que ce que papa a dit. Papa, que Dieu te donne une longue vie. Que tu vas tirer à côté de nous et amuser à ça. Merci papa, c'est fait ça. Alors tout de suite nous allons leur passer le micro et ils vont de leur rentrer. Je disais tout de suite que les artistes sont là et ils vont leur rentrer. Et en plus de ça, nous avons notre invité, le grand animateur. Nous sommes Alcéli. D'abord, il s'appelle HERITIER, que je dirais HERITIER. Lui, il va prendre la parole pour allumer en attendant l'arrivée des artistes. Nous lui passons la parole. Voilà donc, je dirais un grand merci à tous ceux qui ont effectué le déplacement, venus de tous les horizons de Bamako, nos confrères, à l'événement et de la particulière. Comme d'ailleurs, il a si bien dit, mon confrère qui vient de me donner le micro, que la Guinée est une famille. Aujourd'hui, nous nous retrouvons ici, dans l'idéal, tout pour la quête de la Guinée, et notre prière est que la Guinée triomphe. En cela, nous allons dire à tous les ressortissants guinéens de faire mieux que ce que les forestiers font, mais cela ne veut pas dire que parce que vous êtes forestiers et que vous allez fêter dans l'enclos. Il est bon de ce que vous avez fait, les bœufs le sont dans l'événement, les sous-sous sont dans l'événement. C'est pour en faire une Guinée unie et prospère. Sur ce, je vais remercier nos cadres et personnalités qui sont les plus mûres. Comme toute responsabilité guinéenne ici à Bamako, afin de nous rassembler à chaque moment voulu. Je remercie tous ceux de près ou de loin, vous qui avez effectué le déplacement pour la réussite de cet événement. Je vous remercie. Thank you.
maintenant, on va libérer un place. Il y a déjà 6 spectateurs qui vont rentrer. Non. Ah, voilà. Bon, à qui c'est à nous, là, allez. On a créé par club. On a créé par club. On a créé par club. À qui c'est à quel capteur. Yeah.
vous pas 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 vous pas. Et bonsoir, la jeunesse UFDZ du parti UFDZ, ils sont là. Voilà, ils sont venus à ce pas lui, mais c'est qui est à se voir. À tout à l'heure. Ok. Et bonsoir à tous ceux qui se sont déplacés. Ils sont installés. Yes, sir. Thank you.